Lui, c'est Jean-Francis. Jean-Francis a 21 ans et est étudiant en sociologie à Lyon. Ses passions dans la vie sont boire de l'alcool et fumer des roulés dans des bars alternatifs en disant du mal de l'état policier avec des amis en Sarwell. Enfin, ça c'était avant le confinement. Maintenant, Jean-Francis est bloqué chez lui, dans son 20 mètres carrés un peu dégueu financé par ses parents. Il n'a plus cours parce que la fac est fermée et même s'il n'y allait pas avant le confinement, Jean-Francis il trouve ça pas cool quand même. Il commence à percevoir la vacuité d'une existence enfermée et du coup, pour éviter de se suicider, Jean-Francis tweet relire Bourdieu depuis son compte à 30 abonnés. Parfois, il se masturbe dans la cuisine parce qu'il s'emmerde, mais ça n'est pas vraiment le sujet, c'est vrai. Toujours est-il que Jean-Francis n'a pas la grosse patate en ce moment, et Jean-Francis est loin d'être seul en France. Du coup, c'est l'occasion de se demander pourquoi que le confinement, même si ça peut paraître détente, en fait, c'est pas détente du tout pour notre santé mentale. « 1,1 million, ce n'est pas ce que j'ai gagné au loto cette semaine, sinon je ne serais clairement pas là en train de travailler chez moi, mais c'est le nombre d'anxiolytiques, c'est-à-dire de médicaments contre l'anxiété, qui ont été vendus en trop par rapport à la normale depuis le premier confinement. » Ce chiffre est issu du dernier rapport d'Epiphar, auquel on peut aussi ajouter celui de 480 000 traitements hypnotiques, c'est-à-dire des somnifères, vendus en plus par rapport à ce qu'on attendait. Selon le rapport, cette augmentation reflète probablement l'impact psychologique important de l'épidémie de Covid-19 et de ses conséquences sociales, professionnelles et économiques. En effet, même si le confinement peut ressembler pour certains à une longue balade champêtre, une pause en somme dans la douloureuse et vague léthargie de l'existence, eh bien pour d'autres, ça ressemble à une boîte de Lexomil sans Lexomil dedans. Une double angoisse. Ainsi, par exemple, selon l'enquête Coconel portant sur le coronavirus et le confinement, 74% des Français rapportaient des problèmes de sommeil après les deux premières semaines de confinement, contre un peu moins de la moitié en temps normal. Et 37% des enquêtés présentaient des signes de détresse psychologique, c'est-à-dire des risques accrus de développer des troubles psychiatriques comme l'anxiété, la dépression ou le stress post-traumatique. Mais comment que ça se fait que le confinement, ça nous perturbe autant ? Je suis Patrick Pelletier-Battel, je suis sociologue, directeur de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Dans les sociétés contemporaines, chacun d'entre nous, en fait, on passe nos journées à passer d'un cercle à un autre, à jouer des rôles sociaux différents dans des arènes différentes. On n'est pas le même au travail, à la maison, dans les transports, avec des amis, dans les stations, etc. Et en fait, avec le confinement, ce qui était difficile d'un point de vue psychologique pour les gens, c'est que vous étiez privé d'un certain nombre de rôles sociaux. Parmi les personnes les plus à risque, on trouve notamment les sales jeunes qui, décidément, font tout pour nous faire chier pendant cette crise du coronavirus. Ils font des teufs alors que nous, on n'a plus d'amis. Ils éternuent sur mamie et la font décéder. Et désormais, ils ont des problèmes pour faire dodo. Sur les plus jeunes, globalement, c'est eux qui ont le plus mal vécu le confinement. C'est eux qui déclarent davantage de sentiments d'isolement accru depuis le confinement ou de problèmes psychologiques divers. Alors ça peut être dû à plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un âge de la vie, on a une sociabilité beaucoup plus tournée vers l'extérieur qu'à des âges plus élevés. Un des gros problèmes pour les jeunes aussi, c'est qu'on a un peu sabordé leur année scolaire. Pour ceux qui sont dans une phase de fin d'études et de début d'intégration au marché du travail, la crise a tout bouleversé et a complètement saccagé les perspectives professionnelles de beaucoup d'entre eux. En plus de toucher les jeunes, les troubles psychologiques liés au confinement sont socialement différenciés, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas tout le monde selon qu'on soit riche ou pauvre. À partir du moment où vous confinez les gens dans leur logement, vous les obligez à rester toute la journée chez eux, en fait, vous accroissez ces inégalités, tout simplement. Par exemple, il y a des gens qui sont dans des logements surpeuplés. Surtout qu'en général, le surpeuplement, c'est des ménages, c'est plutôt, on va dire, dans des habitats collectifs, mal insonorisés. Le fait d'être mal logé, ça devient beaucoup plus sensible quand on reste dans son logement toute la journée et quand c'est pareil pour tous les voisins. Vous repliez les gens chez eux, vous les forcez à se replier chez eux, et chez eux, c'est un des endroits où s'expriment le plus les inégalités sociales. Dans ce contexte, comment faire pour que les gens ne meurent pas du Covid, mais qu'ils ne meurent pas non plus de suicide ? Eh bien, donc je suis Nicolas Franck, psychiatre, je suis responsable de structure de psychiatrie, responsable d'enseignement en psychiatrie, et je viens de publier un livre chez Odile Jacob qui s'intitule « Covid-19 et détresse psychologique » qui traite de l'impact du confinement sur la santé mentale des Français. C'est pas on fait soit le confinement, soit on le fait pas, et c'est soit la santé physique, la survie, soit la santé mentale. Les deux vont ensemble, de toute façon il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà bien expliquer aux gens, pour qu'ils puissent adhérer aux mesures et mieux les supporter. Ensuite, c'est de éducation à la santé physique pour permettre la distanciation, ça c'est pas mon domaine, mais éducation également à la santé mentale pour prendre soin de soi et prendre soin des autres. Ça n'est pas fait. Alors même si ça a beaucoup progressé, même si on reconnaît plus facilement les troubles anxieux, la dépression qu'il y a quelques décennies,
les troubles sévères, c'est pas du tout le cas. Et puis globalement, c'est quand même quelque chose, une dimension, celle de la santé mentale, qui est laissée au second plan, voire au troisième, au quatrième. Donc je pense qu'il y a un progrès à faire très très globalement au niveau de toute la société. Il n'y a pas de santé physique sans santé mentale, il n'y a pas de santé mentale sans santé physique, il faut cultiver l'ensemble. Et pour cultiver l'ensemble, rien de tel, selon le docteur Franck, de parler avec des gens. Ça peut paraître un peu relou pour des gens confinés tout seuls, mais le docteur Franck dit qu'on peut faire ça via les réseaux sociaux ou le téléphone, sans trop abuser des écrans tout de même. Si vous n'aimez pas trop les gens, vous pouvez toujours vous rabattre sur les animaux mignons, tels les chachas ou les chiens-chiens. Selon une étude menée par des chercheurs britanniques qui n'ont visiblement rien d'autre de plus urgent à foutre, avoir un animal de compagnie est lié au maintien d'une meilleure santé mentale et à une réduction de la solitude. Et si on n'a pas envie de parler ni aux humains, ni aux chachas, mais qu'on a quand même envie de faire quelque chose de bien pour notre santé, eh ben on peut toujours se masturber dans la cuisine. Ou pas.